Et youtubeurs et youtubeuses, hop hop hop. Twitcheurs, twitcheuses. Hello coucou. Salut les petits loups. Nous sommes actuellement sur Tezo. Oh ouais, baby. Oh ouais. Hop là. Alors, 126 sur 200, on n'a pas mal de choses. D'accord, ok, super. 32. 1h57 minutes. Ah, oh, c'est bon. Putain, j'ai vu un groupe de vols funestes de champs de feu entrer dans la caverne au moment où j'arrivais. Et je ne sais pas s'ils ont repéré Free ou s'ils étaient juste curieux. Mais c'est grave. Nous devons entrer. Free et la graine sont en danger. Juste curieux, ouais, juste à côté de cette localisation. Ça fait un hasard quand même énorme. Comme, d'accord. Pas que je sache, il y a des gravures druidiques, ce genre de choses, mais je n'ai pas eu l'occasion de les étudier. Tout cet endroit est envahi de végétation. La caverne fascinait Free, cela dit. Elle y retournait régulièrement. Elle avait elle-même. Elle a tout compris. Plusieurs fois, oui. J'essayais de nettoyer un peu les lieux pendant que Free les examinait. Parfois, elle restait assise pour méditer de longs moments. Lorsque nous la retrouverons, je compte lui demander ce qu'elle ressentait. Allons aider Free. Free. D'accord. Voilà. Hop, c'est par où? C'est par là. Et hop, et bim, bam, boum. Voilà, on est bien. Free a fait beaucoup de ménage depuis que je suis venue. Ou alors, ce sont les champs de feu qui l'ont fait. C'est plutôt beau ici donc. Ah ouais, on est dans une caverne mais. Flamouche, interdiction. Cette partie était couverte de plantes grimpantes. C'est... Free? Et là, les sœurs du Weird? Qu'est-ce que ça signifie? Bizarre, bizarre, ou bizarre, ou bizarre. Regardez, une autre inscription. Nous devons l'examiner. Ah, c'est là-bas, d'accord. 3, 2, 1, et... D'accord, mais ne venez pas pour rien.
j'imagine. Ce sont... Oui, les graines sacrées. Des fruits qui en fait une couronne, un bâton et un gantelet. Continuons. D'accord. Ah tiens, Hélène. Hélène Rudef. Allez, 3, 2, 1. Attention à qui? Ah d'accord, moi je veux bien, attention. Pour qui je vois des on voit des tentacules un druide qui tient le bâton et le gantelet. Des filles posent la couronne sur sa tête comme dans la prophétie. Nous devons vite trouver filles. Ah c'est peut-être l'arbre séraphine. Bon, on va faire ça. Rejoindre les exaltés? Non, ce serait pas connu. Regardez, cette porte est protégée magiquement. Cette fille qui a lancé ce sort, nous devons trouver un moyen de l'ouvrir. Ah. Fille a utilisé une ancienne technique druidique. Je l'ai déjà vue. Il doit y avoir deux pierres druidiques par ici. Si nous les tournons, la protection se dissipera. Bon, on en voit déjà une. Il doit y avoir une autre pierre dans le parage. Cherchons un peu. Waouh! C'est beau. Et là, hop, ça va être beau aussi. Wow. La porte devrait être ouverte. Pas mal du tout. Flamouche! Qu'est-ce qu'on a là? Ah, d'accord, c'est de l'autre côté. Rien de spécial. C'est à droite. D'accord. Ah, c'est par là. Oui. Ah, déjà quelqu'un qui est passé, qui est là. Ah. Ouais. Regardez, c'est Free de l'autre côté. Free. Bonjour Free. Attends. Se cacher, on peut se cacher, hop, se cacher pourquoi, on ne sait pas, mais Free, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que Free fait là,
Ça a marché. Les secrets restent enfouis. Enfouis. Ils mordent avec leurs dents acérées, griffent les portes. Mais maintenant, la druidesse Laurel, la vent de fumée, familière. Et vous, combat, caresse des feuilles. J'ai protégé la graine, mais les protections flétrissent. Free est free, endroit créé par le roi des druides. Il m'a chanté. Les murs m'ont enseigné, m'ont dit qui j'étais. La semeuse des graines sacrées, protectrice des symboles du pouvoir. Lorsque la saison sera venue, je les ferai pousser avec les graines. M'attendais à trouver la graine ici. Mais non. Le roi des druides a pris les frilles depuis le verre. Nous a liés pour un jour reforger les symboles du pouvoir. Semer les graines lorsque les trois cercles deviendront un. Voici mon utilité. Soigner le jardin. Mais les événements sont incertains. La graine est en danger, même ici. Que pouvons-nous faire? Parfait. Je suis aminci. Fanée. J'ai trop poussé. Apportez la graine à l'archidruide Raval. C'est à lui de la nourrir à présent, de la protéger. Glissez-vous derrière les murs. Affrontez la tempête. Prenez la graine et quittons cet endroit. La graine est juste là, à l'abri. Elle attend. Une chose forte et calme, qui passe de main en main. Donnez-la à l'archidruide Raval lorsque nous partirons, pour l'emporter dans ses murs contre nature. Bon, bah, on fait du foot, hein, avec cette graine. Ah, bah. On ne peut pas la laisser tranquille, voilà. Toujours à changer d'endroit. Non, c'est pas bien. Aïe, 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 aïe. Oui, il y a longtemps. C'était un sanctuaire, perdu dans le temps. Mais il détenait des réponses, mes vérités. Plus j'y restais, plus j'apprenais. Je me souvenais. Mes mains seules peuvent ordonnancer. Je fais pousser les graines. C'est ce que le roi des druides m'avait dit. Ce que le rêve nous dit à tous. Lorsque les druides seront prêts à être complets, les ruisseaux se déversent dans la même rivière, pas fracturés, pas tendus vers les graines jusqu'au bout de leurs doigts ensanglantés. Je suis éveillée, mais la saison est fausse. Je l'ignore. Je sais simplement que je suis la seule à pouvoir faire pousser les graines. Un rituel, sol consacré, trois graines sacrées, trois puissants symboles. Ils pousseront une couronne, un bâton et un gantelet. Les emblèmes du roi des druides. Peut-être pour les conférer à un nouveau roi. J'aime bien le mot consacré. J'adore le mot consacré. Et hop. Magique? Non, pas au sens où vous le pensez. Des symboles d'autorité, de rôle. Moi seule peux les faire pousser. Moi seule peux semer les graines. La semeuse. Et pourtant, nous devons protéger les graines. L'archidruidesse Orlette ne doit pas les prendre, au cas où j'aurais tort. J'ai étudié. Les druides de littérature m'ont aidé. Parlez. Ils sont patients, généreux. Plus je passe de temps avec eux, soleil sur les feuilles, grand sourire, main douce, rire comme un gargouillis de ruisseau. Il devient plus facile de prononcer les mots mortels. D'être.
Vous avez bien réagi, Free, mais vous avez la récusée. Free, il va bien. Tout repousse. Ami Laurel, prenez la graine. Une petite seconde, hop.